Donc pareil, hein, édition coupée, édition collée ou copier-coller comme vous voulez. Je vais le mettre ici. Je vais repartir ici à 66,67 par rapport à mon image, elle est grande. Et je vais prendre mes dents, je vais mettre ici, que je vais remonter en haut, par exemple. Bon, j'ai pas découpé correctement pour mes dents, mais c'est pas grave, c'est pour le principe. Donc, on va faire transformer tout ça. Édition, transformation manuelle. Voilà, j'élargis un peu ici. Sur la touche CTRL, je prends cette poignée ici. Je prends cette poignée ici. Et celle-ci. Voilà, on lui a fait ces petites quenottes. Donc, si on est satisfait, touche Entrée. Voilà. Bon, j'aurais pu faire mieux, hein. Donc, ça, c'est vraiment pour le tuto. Donc, ici, on va sélectionner notre oreille. Hop, on va tout sélectionner avec le zoom. Et là, on va prendre l'outil lasso. Donc, on va commencer à faire le tour comme ça ici, et pour changer d'outil en restant toujours appuyé, on va sur il ne veut pas, c'est pas grave. Donc j'ai l'outil main, si je lâche le lasso, je suis roulé, donc voilà, je fais l'enregistrement et il ne veut pas non plus. Bon, c'est dingue, qu'on fait un enregistrement, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, on va prendre l'outil lasso magnétique. Ah, on va peut-être prendre l'outil sélection rapide, je sais pas si sur l'oreille ça va le faire. On va essayer. Donc, si vous voyez ici, je fais le tour de mon oreille avec ma baguette magique. Donc, ça dépasse un petit peu, c'est pas un problème. Le problème, je crois qu'il va venir après. Voilà ce que je craignais. Ça m'a sélectionné toute la partie blanche. Comme il y a trop de blanc dessus, donc ça ne va pas. Donc on va faire autre chose. Ouais, je vais vous faire voir pour cet outil-là, mais je vais faire voir sur l'orange. Je pense que ça ira beaucoup mieux sur notre orange. Voilà. Je reprends mon outil. Outil sélection rapide. Et là, je vais faire le tour de mon orange. Et je vois que je dépasse. Et puis voilà, ça recommence. Donc, en fin de compte, il est pas top top ce truc. Ou c'est par rapport à l'enregistrement que je fais en même temps. Mais ça me paraît bizarre que ce soit toujours l'enregistrement qui me fait chier. Donc, c'est pas grave. On va prendre l'outil lasso magnétique. On va aller chercher notre oreille. Je vais prendre ce point-ci et je fais le tour de mon oreille. Donc on voit très bien que ça le prend très bien. Donc on va pas aller trop vite non plus, pas faire de conneries. Et je suis arrivé au bout et voilà. Donc c'est très bien. C'est bizarre que la baguette de sélection rapide ne marche pas.
Donc, je crois que j'essaye avec d'autres images, voir pour qui, pourquoi. C'est bizarre. Bon, enfin bref. Donc, ici, on a notre oreille. On va faire édition, copier. Donc, bien sûr, je ne suis pas sur le bon calque. OK. Édition, copier. Édition, coller. On va le prendre. On va le mettre ici, comme ça, sur notre orange. Donc, hop, coller. Et on va prendre la deuxième qu'on va mettre ici. Et ici, on va faire édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et j'ai pas de place avec mon orange, donc on va faire ici shift, on prend jusqu'en haut et on va déplacer mon orange. Voilà, et je vais pouvoir reprendre mon calque avec l'oreille ici, et puis le mettre en place. Donc l'orange un peu plus rond ici, plus ovale ici. Donc édition, transformation manuelle, on va faire petite rotation. Voilà, on va peut-être la lever un petit peu quand même, et voilà. Donc entrée. Donc voilà, ici, bon, on a vu principalement pour l'outil lasso polygonal, l'outil lasso magnétique, l'outil lasso, je sais pas, j'ai eu un problème avec. Donc bah, pour faire un détourage, l'outil lasso, hein, faut pas rêver non plus, hein. Ou alors, faut être vraiment doué avec sa souris, ou oui, avec sa souris d'ailleurs. Donc voilà, je cache mon arrière-plan et je vois mon petit monsieur orange. Voilà, mon petit monsieur orange. Donc voilà, ce tuto est terminé et merci à vous de l'avoir suivi. Donc n'hésitez pas à essayer ces différents outils. Donc essayez quand même ici l'outil sélection rapide. Sur d'autres images, je pense que ça devrait aller. Attendez, je vais quand même aller voir un petit truc. Par exemple, celui-ci. Mon œuf. Donc voilà, on voit très bien qu'ici, là, le bord est beaucoup plus foncé. Hop, et je passe sur les jaunes ici. Et je vois que ma sélection a été faite. Donc moi, j'ai le problème, c'est que c'est beaucoup trop clair certains endroits. Donc voilà. Hein, donc on peut attendre des sélections. Désélectionner. Et on peut faire par exemple que le jaune. Voilà. Et si vous voyez ici, vous allez trop loin. Ici, vous avez cliqué ici soustraire de la sélection. Et vous repoussez vos points jusqu'au jaune d'œuf. Voilà. Pareil ici. Si je sélectionne. Hop. Attends, attends. Hop. Ici, je vois que j'étais vachement vite. Ici, sur le noir, c'est parti. Donc, sur le moins, on va soustraire pour l'amener au plus près. Donc là, hop, c'est pas bon. On fait un petit plus et on va aller à tâtons. Voilà, donc là il marche très bien, c'est une couleur claire sur foncé, les différences, différents tons sont beaucoup plus importantes, donc ça marche beaucoup mieux que sur mes oreilles ici, parce que les endroits qui sont beaucoup plus clairs, on voit ici, hein, et c'est bizarre que pour l'orange ça n'a pas été bon, enfin bref. Donc voilà, bon, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. À bientôt.